breast and back look healthy. Lace smelty, finna take a young selfie. Yo. Oui. Voilà quoi. Non, il est mignon. C'est mon anniversaire. Voilà quoi, vas-y. C'est mon anniversaire. Yes, baby. Normal. Nescafé avec Mel. Ouais. D'accord, le Bel. C'est mon anniversaire. Je me demande si vous voulez que je vous dise 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 que je prends mon café. Merci. Elle est ni là et l'année, c'est trop bon. Genre 95% de café et 5% de lait. De lait? Garçon fort. Non, allô. C'est grave. Regardez-moi, moi je mets du beurre sur le poisson, après je pêche. Je fais comme ça. Tu peux le faire bien comme ma mère. Voilà. Et là, je vais le faire. 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 Non, pardonnez ma copine. Pardon, moi aussi, elle est franc, elle est mal. Yo, on a rien dit, tout le monde fait une école. Il y a une autre 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 école. Il y a une autre. Je ne sais pas si vous avez un problème. C'est mon anniversaire. C'est son anniversaire de Dieu. Je vais vous dire. Après, je dis que je vais faire un rêve. Tu vois, Apuchu, c'est ça, Apuchu, même Apuchu. Chololo, ça fait chololo. Vous voyez comment ça fait chololo. Ok. Elle a déjà fait ça, en fait. Du coup, elle se prend pour la star. Bouge. Bon, il faut foutre déjà dans l'autre dos. On y est arrivé. Yes. Mm-hmm.
De difficultés, plus activité escalade sur le bac, plus diplôme. Voilà. Tu vas voir la fois passée. Tu vas avoir ton diplôme. Hein? Mais il y a un diplôme. Ouais. Maintenant, c'est mon diplôme. Par exemple, nous à 10 ans, un diplôme. Après, j'ai un gagné. Après, j'ai un gagné. C'est des gagnes, bref, un j'espère juste que je vais pas tomber là parce que j'ai pas envie de tomber comme une merde. Ça là c'est vraiment dur. J'espère que je vais pas mourir. On se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas, ok? De l'autre côté, de l'autre côté. De l'autre côté, Mais au cas où, mais genre, bon dans un dernier souffre. Mais ça m'a fait une dépression. Est-ce que vous voyez tout ça là? Attendez, je vais vous montrer. Du monde, ma regarde. Et ça, ben, j'aime bien, souviens-vous, mais c'est un dia, je suis là. Je ne sais pas. Oh my god, Bouli, c'est dur. C'est mon anniversaire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me Gawal, tu dans la réla mine rek. DJ wawlé. Allez. Mo no bo gisé da ngay foné mo ci gëna ñëw. Waw. Té mo gëna tapé ñëp. Way gawal way. Mo dem vas-y glisse. Fatou mo. Tremblement, tremblement. Ay lool way. Ay baax la. Am sa ñi ñëp jall fi yow nga de la vie elle est chiante. Ata sisit. Fait de grand pas. Regardez, Je vais servir
rewe mom xale bu rew ni la koy def attrape les filets Non, mais elles ont tout peur en fait. Sadia, la mentirie. Qui t'a envoyé? Tégal. Xolal ki mo soxor xol ko mu yengale mo sank mo mo do yengale da yenga tuay lay tank mo ndela ndox xolal mo ngoy yengalal indi wiñu ndox de mo ngi ci auto bi ci sub ci biti baax na ci yow hikka pasoto ya do ngay yengal bi ba ko lanu de Je m'excuse. Ok, mais qui m'a Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui.
C'est son anniversaire. Qui est là? Joyeux anniversaire. Happy birthday, girl. Joyeux anniversaire, you. Happy birthday to you. Dolo, s'il vous plaît. Déjà, c'est un Eric. C'est mon anniversaire dans mon tour. C'est très très bien fait pour toi. Comment t'as pu? Dis-moi. Oh my god, c'est trop bien fait. Elle est épaulée. Oh my god, j'en peux plus. Non mais c'était trop bien. Ah, c'est toi, vas-y. Voilà, ça s'est bien passé. L'anniversaire est heureux. Je suis là. Qui est bon? 0,5 sur 20. Oh my god. Coucou les filles. Alors là, nous venons de rentrer. Du coup, là, je vais me maquiller. Parce qu'on doit aller dîner à... À quelle heure? Bonne année, Arlène. Hein? 20h. Mais il est déjà 20h? Merci. Voilà, je vais maquiller. Yo, voilà, je vais maquiller. Comment? Du coup, on doit aller à 20h. Ok. Et là, je vais me maquiller. J'ai déjà tous mes maquillages. Ok. Donc, je vais me maquiller avec vous. Ok, guys. Tellement qu'on est fatigué, mais bon, on va enchaîner. Ok, ok. Et mais, lumière dehors, n'est pas normalement. Mais pourquoi ça ne s'allume pas? Mais normalement, on attaque.
Si vous pouvez nous nettoyer le miroir, s'il te plaît, j'en ai besoin là. Je vais prendre des photos en fait. C'est bon? Je peux compter sur toi? Mais comment là? S'il te plaît, moi je dois me maquiller. Tu dois aller au resto à 20h. Tu vois, je ne suis pas ta mère aujourd'hui. Aujourd'hui, on est entre fille et fille. Jeune fille et jeune fille. Pardonne-moi. Cette goût-là, elle se prend trop pour ma fille en fait. Laisse-moi respirer. Laisse-moi respirer. Comment est-ce qu'elle a dit? Tu lui donnes un hashtag une fille qui sait se maquiller. Tu sais même pas. Tu fais genre. Attendez, je vous montre celle-là. Elle sait même pas se maquiller à son âge. Couleur bio, à moi, ça bosse. Non, c'est pas ça. Liquide. Belle volée. Aïe, 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 terreur, terreur, terreur. T'as quoi, toi? Va prendre ta douche, s'il te plaît. En plus, là, tu pues. Non, je sens jamais. Jamais. Hé, j'abuse sang. Laisse-moi tranquille. Quelle langue est-ce que tu as fait? Non, c'est ma langue. Tu es là. C'est le gars, un mot bon, c'est beau. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Bye. Du coup là j'ai déjà tracé mes sourcils. Voilà, j'ai pas mon fond de teint ici, mais bon, je vais essayer de me débrouiller un peu. Ok, voilà. De toute façon, je vais juste faire un maquillage simple. Happy birthday to you. Lucy Monet. Oh my god. Attendez. Tu vas faire tes vœux. Attends. Vas-y, fais tes vœux. Vas-y, bébé. Oh, ma langue est devenue réelle. Oh, ma langue. Ah non, ça c'est pour moi, excusez-moi. Voilà. Je suis fatiguée, on est dimanche. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui on est dimanche, il est 14h.
bizarre. Je me suis réveillée à 13h. Vous voyez mon visage là, j'ai beaucoup dormi. Demandez la personne. Donc aujourd'hui, jour de voyage, j'ai mon vol à 3h du matin. Franchement, je pense que c'est mieux comme ça, les vols de nuit. Comme ça, tu as le temps de beaucoup ranger, de bien ranger tes affaires, histoire de ne rien oublier. Et moi, je pense qu'actuellement, je suis trop focalisée à ne rien oublier. Et c'est probablement que je vais oublier quelque chose. Ça, même, c'est sûr. Mais bon, je ferai de mon mieux. Je ferai un lavage de cerveau, histoire de rien oublier. Let's go. Là, j'ai déjà rangé ma valise de vêtements. Il me reste juste la valise des chaussures et des sacs que j'avais déjà commencé. Je vais terminer avec vous. Je vais montrer un peu comment je vais ranger ma valise. Et franchement, vous avez trop de la chance en fait. Je n'avais vraiment pas prévu de filmer mon voyage. J'avais vraiment pas prévu. Du coup, je voulais couper le vlog hier. Mais je me suis dit, vas-y, je vais continuer le vlog. Donc c'est ça. Voilà, j'ai beaucoup de boulot qui m'attend. Mais franchement, je reste assise là. Parce que là, je suis trop bien. Dans ma sonne en fait. Dans ma sonne. Et les filles, franchement, je suis trop stressée en fait. C'est pas un voyage de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. C'est un voyage de quelques mois. Tu vois? Je sais que vous posez la question. Ouais, toi, tu vas où? Et pourquoi? Alors, je vais au Maroc. Je vais au Maroc pour quelques mois. J'ai un stage là-bas. J'ai un stage à faire pour quelques mois. Du coup, je vais rester à ça, Dieu, un peu. Juste pour quelques mois, Inch'Allah. Voilà, donc, souhaitez-moi bonne chance. Parce que là, franchement, j'en ai besoin. Voilà les filles, parce que je suis jamais partie au Maroc, je connais, j'ai pas de la famille au Maroc et tout, du coup je pars toute seule, donc voilà, je pense que c'est une nouvelle aventure pour moi, franchement, je pense que je suis un peu folle, hein. Comment je peux ne pas filmer ça, et parce que c'est un truc nouveau, je suis bizarre. Non mais je blablate beaucoup là, alors que j'ai beaucoup de boulot, donc let's go, on va arranger la valise, voilà, bisous. Fatigué. Mais vas-y, tu y arrives, tu vas y arriver. Vous voyez, j'ai 2 valises. Et une petite valise, un sac et mon sac à main. Je pense que ça va là. Du coup, il me reste à ranger les chaussures. Je vais mettre cette paire là. Et cette paire là, je vais aussi la ranger. Si ça ne rentre pas, de toute façon, je vais la laisser ici. Et mon bébé ou là. Et mes fleurs là sont en train de sécher. Oh my god, je prends même pas soin de mes fleurs. Du coup, voilà. Là aussi, il me reste des chaussures. À l'intérieur aussi, il y a ici des chaussures. Mais c'est pas pour moi, c'est pour un ami. Il va les récupérer tout de suite. Donc, vas-y. Bisous. À tout à l'heure. Je suis avec mon bébé. Regardez l'autre là. Elle est en train de vlogger pour moi. On dirait que c'est elle qui voyage. Oh my god. Elle a joué. Hein? C'est par où? Du coup, moi j'ai pas de bagage. Ça va, tu vas bien? Ça va, magnifique. Il faut tenir les bagages. C'est nouveau, ça va. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment, c'est gentil. Vas-y, viens. C'est là. On dirait que mon mère voyage là. Bah oui. Si c'est moi, c'est toi qui voyage. Mais au sens, pas au sens du terme. Thank you.
connais les filles, je viens d'arriver et tout. Mais il fait trop trop froid. Franchement, je pense qu'il fait 11 degrés comme ça. Du coup, là, il est 8 heures. Je pense, je n'ai même pas regardé là. Je pense qu'il est 7 heures, ouais. I'm so tired. Du coup, on se retrouve à la maison. Je suis trop fatiguée. Je pense que je vais tomber malade en fait. Parce que là, I'm just tired. Ça fait une semaine aujourd'hui que je suis déjà au Maroc et malheureusement j'ai pas pu filmer mon arrivée et tout car j'étais un peu malade. Je pense que je suis tombée malade dans l'avion. Je me suis dit que je vais prendre mon temps et histoire d'être bien avant de vous parler parce que sur ma chaîne c'est la bonne humeur, ok? Et donc le temps de m'installer et de bien prendre soin de moi parce que la santé mentale passe avant toute chose. Voilà. Je pense juste que c'était rien de grave, j'étais juste stressée en fait. Et même quand je me stresse, c'est grave parce que je me stresse trop vite en fait. Quand je me stresse, rien ne va en fait. Je suis trop une peureuse en fait. Du coup, là je suis dans mon appartement. Je pense que je vais faire un petit room tour, vous montrer là où je vais être durant quelques mois. Ok. Et on est lundi, il est 16h58. Ce matin, j'étais sortie d'où la raison de mon maquillage. J'avais un entretien d'embauche le matin et je suis revenue à 13h. Franchement, je ne comptais pas commencer la vidéo aujourd'hui. Je voulais attendre un peu, mais je me suis dit, vu que je ne suis pas assez occupée maintenant, je vais le faire aujourd'hui avant de me démaquiller. En plus, j'aime bien mon maquillage. Je me suis dit que je vais commencer le vlog aujourd'hui. Ouais, parce que c'est un weekly vlog. Je vais continuer le vlog aujourd'hui. Après, on va voir. Ça dépend des événements que je peux avoir. Vu qu'on est pas au Sénégal. Ici, je ne sais pas comment ça se passe déjà. En tout cas, j'ai programmé beaucoup, beaucoup de choses pour vous. Inch'Allah. Inch'Allah. Y'a le bon Dieu de Gorek. Parce que tu as de faire. Oh my God. Du coup, là, j'ai même pas mangé. Depuis ce matin, j'ai pas mangé. Je pense que je vais faire du tangal mon tiep. Je vais manger mon tiep et je vais faire un petit room tour. Et aussi, vous allez m'aider à ranger mes affaires dans ma chambre. Parce que depuis lors, ranger au mode dar. Dans ma taille alors, vous savez aussi, j'étais pas bien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Faut m'aider. Parce que je souffre. Yes. Donc, je vais pas beaucoup blablater. Parce que demain, bon, let's go. On va continuer. Pour commencer, on a la porte d'entrée. Juste ici, on a le salon. Il est magnifique. Franchement, la déco. C'est juste incroyable. Juste ce truc-là, j'aime pas trop. Franchement, j'aime bien la déco là. C'est magnifique. La déco, elle est moderne. Vous savez, moi, je suis trop fan de la déco, mais j'aime beaucoup. On a le salon, le canapé. C'est magnifique. Juste là, on a mon PC. Désolé. Et ici, on a un petit balcon. Ok. On a une vue vraiment incroyable, c'est magnifique. Le balcon il est petit, de toute façon ça s'ouvre presque jamais. Ok, on continue. Après ça, on a ici la cuisine. Franchement, c'est trop trop beau. J'aime beaucoup, j'aime bien. Là, on a la cuisine et juste à côté, on a aussi une petite vue. Oh, c'est magnifique. Désolé, ça c'est le bordel. Ok, on continue. Juste ici, on a un magnifique tableau. Non, mais j'aime bien les tableaux de l'appartement. C'est magnifique. Vous voyez aussi, il y a aussi un autre tableau. De ce côté-là, on a deux petits tableaux. Mais de toute façon, ces deux tableaux-là, j'aime pas trop. Juste ici, on a une petite commode où on range tous les chaussures. Ok, désolé, c'est le bordel. On continue. Ici, on a les toilettes. C'est magnifique. Désolée, il y a le bordel partout. J'étais en train de ranger là. Franchement, ça passe. Donc, voilà. Juste ici, on a la chambre de ma coloc. Ici, on a ma chambre. Et, tadam! Désolée, il n'y a que le bordel et du n'importe quoi. Et dites-vous que depuis une semaine, je n'ai pas encore rangé mes affaires. J'ai rangé juste un peu. Voilà, j'ai pas fini. Il me reste les vestes. De toute façon, j'avais tout mis dans les cintres. Je me reste juste à les placer ici. Et ici, j'avais mis mes chaussures.
Donc, let's go, vous allez m'aider. On va continuer le rangement, car hier j'avais commencé le rangement le soir, mais j'étais trop KO. Et là, j'ai déjà rangé tout ce qui est bodysuit haut. Voilà, j'ai rangé et en bas, il y a trois tiroirs. J'ai rangé mes voiles, mes sous-vêtements et mes casquettes. Je pense que c'est bon. En plus, j'ai pas beaucoup, beaucoup d'habits là. Vous savez, j'avais que deux valises, mais bon, ça passe. Là, je vais ranger mes jeans, mes jogging. Après, ici, je vais ranger tout ce qui est veste. C'est tout pour mon appartement. C'est pas vous, mais moi j'aime bien l'appartement. Mais je pense que je vais ajouter quelques modifications. Vous savez, j'aime trop faire les choses à ma façon parce que j'aime pas vivre dans un endroit où c'est selon une personne. Je vais pas aussi abuser. Je vais pas dire que je vais tout changer comme si je vais rester là pour une éternité. Non, parce que je suis quand même dans mon appartement. Alors, tout ce qui est logement, toutefois, si vous venez à Casablanca et si vous êtes intéressé par des logements de qualité, je vous mets son numéro. N'hésitez pas à contacter la fille, elle est trop trop gentille. Moi, elle m'a aidé à trouver un appartement. Vraiment, j'ai visité beaucoup beaucoup d'appart, mais son appartement là, c'est la chose que je voulais en fait. On va dire, parce que c'est un peu moderne par rapport aux appartements que moi j'ai l'habitude de voir au Maroc. On a les salons marocains avec des dessins marocains, des canapés marocains et tout, et moi ça j'aime pas trop. Donc je vous mets son numéro, n'hésitez pas à contacter. Je vais faire du tangle tiep, billahi le tiep du Sénégal, vrai tiep buñu togu légui buñu togu bakki demb, ça manque beaucoup hein. Profitez de vos familles, nous menons ma cœur. Let's go, viens manger. Quand tu m'en allais voir l'olé, Philippe. Oh my goodness. Tu n'as des actes pour t'engager. C'est sûr. Non mais, il y a une dame ici, elle fait du vrai tchèp en fait. C'est-à-dire, son tchèp est tellement bon que moi, je n'ai pas d'un tchèp. Pas d'un tchèp, mais un tchèp. Je vous promets, c'est trop trop bon. Du coup, let's go, je vais m'en régaler. Hein. Bon appétit. Non mais, c'est du bon tiep, genre dans le vrai sens du terme. Du bon tiep. Trop bon. Depuis ce matin, j'ai pas mangé. Actuellement, je suis en régime. Là, j'ai perdu 15 kilos. Je pense que voilà, je suis pas arrivée à ce que je veux exactement. Là, je pèse 75 kilos, 76, 75. Je veux être à 70. Genre, 70, c'est mon poids normal depuis avant en fait. Et à un moment, j'étais à 90 kilos. Là, je suis à 75 et Inch'Allah, je vais continuer à me battre. Bon, à 70 kilos parce que je veux plus être grosse en fait. C'est vrai que je perds mes fesses et tout, mais c'est pas grave. L'essentiel est d'être en bonne santé, je pense. C'est mieux que les top là, ouais, dans le jungle, Hier, moi, le grand diable, moi, je m'en fous. Franchement, maintenant. Je mange une seule fois dans la journée, mais depuis que je suis au Maroc, je mange matin, midi, soir. Du coup, pour le coup, je me suis inscrite à la salle et c'est juste en bas. Je vais continuer mon sport. Je pense que je vais commencer à faire le sport le matin avant que je parte au travail. Je vais commencer le matin. Après, sinon, si je n'ai pas le temps, je fais le sport la nuit. Voilà.
Mais pour le coup là, je vais continuer mon régime parce que je vais pas, je veux plus avoir, je veux plus remonter jusqu'à 90 kilos. C'est beaucoup. Tranchant que man pare goma am yaram, je vais dans mes mags. Donc voilà, je suis pas, donc voilà, c'est ça quoi. Donc depuis ce matin, c'est maintenant que je vais manger. Là il est 18h, man dog lek dem batay. Voilà, maintenant ça me dérange plus parce qu'au Sénégal c'était comme ça, je mangeais 19h là dans le lac. Ça m'a aidé parce que j'ai perdu presque 15 kilos. Voilà, je parle beaucoup là, laissez-moi manger. Je vous laisse parce que c'est pas bon de manger et de filmer. Quand ma mère elle va voir la vidéo, elle va me crier dessus, ça même c'est sûr. Elle va me dire ouais, tu connais ma caméra, elle est au lac. Donc, let's go, tu connais. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Alors, vous voyez ma tête là, je ne me suis même pas brossé les dents. Je viens de me réveiller tellement que je suis fatiguée. Non mais aujourd'hui j'ai beaucoup dormi. J'ai passé toute la nuit à faire du montage et à finir mes cours en ligne. Et voilà, je suis trop fatiguée aujourd'hui. Je suis fatiguée, je vous jure. Là, je vais prendre ma douche et aujourd'hui, j'ai rien à faire de spécial. Franchement, je pense que je vais aller faire les courses. Ouais. Déjà, j'ai acheté plein de choses, je les fais. Depuis que je suis là, je ne fais que dépenser. C'est-à-dire que j'achète beaucoup, beaucoup de choses. Non, mais déménager, c'est un truc bizarre. Je pense que c'est déménager parce que là, je suis là. J'ai même pas ramené tous mes produits de skincare, tu vois. Donc, j'ai acheté beaucoup de choses et surtout des pulls, des trench et tout. S'il fait trop froid. Donc, aujourd'hui aussi, je pense que je vais aller continuer à faire mes courses et aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi. Voilà. Et j'ai même pas une serviette. Je vais acheter aujourd'hui une serviette. Hier, j'ai oublié d'acheter une serviette. Après hier aussi. Ouais, c'était après hier. Je pense que ça se dit comme ça. J'ai pas acheté une serviette, ce qui est primordial. Du coup, là, aujourd'hui, je vais aller acheter une serviette et des chaussures pour le sport parce que je vais me mettre à fond. 2023, c'était trop pour me mettre à la pression à bien prendre soin de moi, de faire du sport, pas beaucoup manger. Mais depuis que je suis là, je mange du n'importe quoi. C'est-à-dire que je mange 3 fois dans la journée, voire 2 à 3. Et moi, au Sénégal, je mangeais qu'une seule fois de la journée et j'avais perdu beaucoup de poids. Et là, je pense que j'ai pris un peu de poids. Et ça me traumatise, je vous jure que ça me traumatise beaucoup. Désolée. Donc, c'est ça, je parle beaucoup là. Je vais prendre ma douche, je vais prendre une bonne douche. Bah oui, je vais prendre une bonne douche, malheureusement, que vous ne pouvez pas voir. Après ça, on va aller faire les courses. Ok, je pense que j'ai noté tout ce dont j'ai besoin. Mais bon, à chaque fois, si je reviens des courses, je sais que j'ai oublié quelque chose. Voilà. Let's go. Je vais prendre ma douche. Après, je vais manger vite fait chez moi. Aujourd'hui, je vais pas manger d'or. Après, on va aller faire les courses. C'est tout pour aujourd'hui. Non, mais maintenant, je suis trop à l'aise de vous parler sans maquillage, sans même me laver la figure. Avant, j'étais trop en mode me prendre la tête. Il faut que je me maquille avant de vous parler. C'est la famille, maintenant, ça se voit. Ça se voit. Non, mais YouTube, j'aime trop. J'aime beaucoup. Il n'y a pas blablaté comme ça dès que tu te réveilles. Je déteste ça et je fais ça. Bisous. Et je disais que je viens de rentrer des courses et j'ai pas trouvé ma serviette. D'ailleurs, j'ai pris que des produits skincare parce que j'avais pris de gel douche. J'ai pris un gel douche, c'est même pas mon gel douche d'habitude. J'ai pris du n'importe quoi là. De toute façon, oh my god, ma caméra, qu'est-ce qu'elle fout là? J'ai pris mon gel nettoyant parce que c'était fini et j'ai pris une crème pour mon corps. De l'eau micellaire. Putain là, qu'est-ce que tu fous même? Ça me saoule là. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Et finalement, ce sont les chaussures que j'ai prises.
pour le sport. J'ai déjà essayé et elles me vont trop trop bien. Et j'ai pris aussi des papiers toilettes. Et j'ai pas trouvé ma serviette. Oh my god. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Parce que là, j'ai vu des serviettes à Marjane. Mais j'aime pas trop. Et en plus, c'est trop cher pour des serviettes que moi je n'aimais pas, tu vois. Donc, je sais pas ce que je vais faire. En attendant, je pense que demain, dès que je descends du travail, je vais aller dans un autre centre commercial pour voir si je peux trouver des serviettes un peu différentes. Mais pour le coup là, j'aimais pas trop les serviettes et pas prendre des... Parce que moi je veux un peignoir blanc ou bien noir. Je sais que je suis pas simple et c'est la raison pour laquelle je me retrouve dans cette situation là. Je veux une serviette vraiment trop jolie parce que moi je fais mes vidéos de skincare avec ma serviette. Donc je veux pas prendre n'importe quoi, donc c'est ça. Franchement ça me saoule de recommencer à gérer, c'est-à-dire d'acheter des mouchoirs, d'acheter des produits. Non mais ça me saoule de recommencer à gérer. Tu vois, la vie d'adulte, tu veux tout simplement être chez toi. Tu veux pas que les gens te dérangent. Tu veux être tout seul. Mais après chez toi, vraiment c'est la merde. Parce que moi, c'est pas la première fois que je vis seule. Après mon bac, j'ai vécu toute seule avec des copines et tout, tu vois. Mais c'était dur et là je pense que je suis en train de recommencer la même routine, tu vois, et ça me saoule franchement. C'est bien d'être chez soi où tu prends soin de tout, où c'est toi qui paye l'électricité, le wifi et tout ce que tu veux. Et franchement, les filles, ça me saoule. Et ma coloc, elle reste presque pas dans cette maison, du coup, moi je suis seule. Et là, la maison est dans un état vraiment catastrophique. Attendez, je vais vous montrer, tu vois. Là, c'est de la merde. Là, c'est de la merde. Je suis désolée, là. Tu vois? Là, je suis obligée, tu vois? En temps normal, moi, je vais faire le ménage. Mais franchement, je ne peux pas. I can't, guys. Du coup, je pense que je vais appeler la femme de ménage. Elle va m'aider à faire le ménage. C'est-à-dire, elle va faire le ménage et elle va me faire du tiep pour toute la semaine. Parce que ma collègue, elle m'a dit de faire ça, c'est mieux. Et je pense que c'est mieux pour moi parce que moi-même, je ne peux pas faire tout le ménage. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je me suis dit que je ne vais rien faire. Je suis trop fatiguée. Non, mais je vous jure que je dois me réveiller à 7h. Tu vois, je dois commencer le travail de 9h à 17h. Ça me saoule beaucoup. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que maintenant, les week-ends, je ferai de mon mieux pour filmer beaucoup, beaucoup de contenu et tout. Mais bon, c'est la vie que j'ai choisie et vous inquiétez pas. 2023, je me suis dit que je vais beaucoup, beaucoup me battre, à prendre soin de moi, à pas aimer la vie facile. Parce que moi, chez moi, je vous dis, hein, j'étais une reine chez moi. C'est-à-dire que je me réveille à 16h. Hein, je cuisinais pas. Je ne savais même pas c'était quoi faire le ménage, faire la vaisselle. Never. Chez moi, never. Mais là, ma mère m'a dit, tu vas voir. Tu vas voir. Parce que tu aimais trop la facilité. Mais là, tu vas voir. C'est la vie entre toi et la vie. Tu vas te battre. Je me suis dit, ok, il faut que je m'habitue à faire des trucs, tu vois. C'est pas facile. Déjà, donc, c'est ça. C'est vraiment dur, hein. Nous, on aime trop la vie solo et tout, mais une fois solo, c'est la cata, je vous dis, les gars. C'est la cata. Oh my god, la caméra. C'est la cata. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais continuer mon montage. Ouais, et préparer mon outfit de demain. Et mon sac et tout. Voilà, les filles. Je pense qu'on se retrouve demain ou bien après-demain. Ça dépend. Ça dépend. Non, mais je vous jure que je fais de mon mieux pour vous filmer un vlog. Genre un weekly vlog de qualité. Ma routine et tout. Mais c'est-à-dire, c'est comme ça en fait. C'est dur. C'est dur. C'est fatigant. C'est fatigant d'aller beaucoup, beaucoup de choses. Donc, souhaitez-moi beaucoup, beaucoup de choses. Et je sais que la vie, je ne suis pas la seule à avoir une vie aussi compliquée. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mais bon. Voilà les filles, c'est pas rose comme vous voyez sur les réseaux sociaux, sur mon snap et tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà. Non mais ça me fait beaucoup, beaucoup de plaisir de vous parler comme ça et de partager ce que j'aime. Parce que pour moi, ma chaîne YouTube, c'est comme un journal intime. C'est-à-dire quand je fais rien, je regarde toutes mes vidéos. Rarement je regarde mes vidéos, mais quand... C'est-à-dire que quand j'ai besoin de motivation, je regarde mes vidéos et je me dis, ouais, vas-y, tu as fait ça une fois, tu as fait ça, continue, tu peux faire plus que ça. Tu vois, et ça me motive beaucoup, beaucoup. Et je suis ma seule source de motivation, je vous jure les filles. Et franchement, je vous remercie beaucoup aussi de regarder mes vidéos, de partager, d'aimer mes vidéos et tout, parce que c'est pas évident. Donc, thank you guys, et voilà.